Même si la vie n'est pas un long fleuve tranquille, il est parfois si facile de suivre son petit bout de chemin sans véritablement vivre ses rêves. On essaye tant bien que mal de construire son nid et puis on s'installe dans un rythme de vie et un schéma d'existence sans forcément oser changer. Cela peut être vrai pour nos choix de vie comme pour nos manières d'être. C'est bien de s'accepter tel qu'on est, mais... Certains constats concernant nos modes de fonctionnement ou de relations, ou même nos caractères, mériteraient que nous osions parfois quitter notre zone de confort pour grandir, pour mûrir, pour approfondir ou élargir nos existences. En effet, pour découvrir de nouveaux horizons, il faut oser quitter le rivage. Pour avancer dans la vie, il faut parfois se jeter à l'eau. C'est en tout cas un des messages des évangiles qui nous rapporte comment l'apôtre Pierre a eu l'occasion à trois reprises de se mouiller au sens propre du terme, c'est-à-dire d'aller dans l'eau. Mais le but de ces mises à l'eau n'est pas de l'ordre de la baignade, mais bien pour évoquer combien il était essentiel pour lui d'oser se mouiller pour avancer dans la vie en laissant Jésus-Christ le transformer. La première et la troisième fois, c'est à l'occasion de chacune des deux pêches miraculeuses que Jésus va susciter. Au tout début de son ministère, lorsqu'il appelle Pierre à devenir son disciple et à le suivre, puis à la toute fin, lorsque Jésus, mort puis ressuscité, apparaît à ses disciples désemparés face à l'avenir. Quant à la deuxième sortie aquatique de Pierre, elle se situe au milieu du ministère de Jésus, sur le lac de Galilée, alors que le Christ marche sur l'eau, à la rencontre de ses disciples. Même si nous évoquerons brièvement les deux dernières situations, lisons dès à présent comment l'évangile de Luc nous rapporte le premier épisode où Pierre se met à l'eau. Or, un jour, la foule se serrait contre lui à l'écoute de la parole de Dieu. Il se tenait au bord du lac de Génézareth. Jésus vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs qui en étaient descendus lavaient leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon Pierre et demanda à celui ci de quitter le rivage et d'avancer un peu. Puis il s'assit et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon. Avance en eau profonde et jetez vos filets pour attraper du poisson. Simon répondit. Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Ils le firent et capturèrent une grande quantité de poissons, au point que leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs camarades de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant ⁇ Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un coupable ⁇ C'est que l'effroi l'avait saisi lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pris. De même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui étaient les compagnons de Simon, Jésus dit à Simon, Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu auras à capturer. Ramenant alors les barques à terre, laissant tout, ils le suivirent. Vous imaginez la scène Simon Pierre, son frère et deux collègues pêcheurs, ont travaillé en vain toute la nuit, pas un seul poisson, ce qui signifie que leur salaire sera également égal à zéro. Probablement qu'après une telle nuit de travail sans succès, on n'a qu'une envie, celle d'aller se coucher. Pourtant, il faut encore laver les filets et ranger le matériel. Or, Jésus, qui commence à prêcher, leur demande s'il peut leur emprunter la barque pour être mieux entendu de tous. C'est donc probablement d'une oreille assez distraite que... Pierre et ses compagnons entendent Jésus tout en s'affairant. Puis finalement, Jésus s'adresse à Pierre personnellement. Et que lui demande-t-il Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Non, mais il est sérieux, doit se demander Pierre. Lui, il est charpentier, c'est nous les pêcheurs professionnels. Si on n'a rien pêché de la nuit loin du rivage, comment veut-il que nous attrapions quoi que ce soit en plein jour et près de tout ce brouhaha sur la plage Si cette phrase de Jésus, avance en eau profonde et jetez vos filets, est programmatique et revêt un double sens, Pierre ne le sait pas encore. Mais peut-être sent-il que ce n'est pas une invitation anodine, puisque plutôt que de répondre négativement à l'invitation de Jésus, ce qu'il aurait pu faire assez logiquement, il va accepter, tout en prévenant de l'improbabilité du résultat. Maître nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. En d'autres termes, il n'y a aucune chance que la pêche soit fructueuse. Je te préviens. Mais bon, puisque c'est toi, je vais faire ce que tu dis. Et c'est là que l'improbable survient. Par miracle, c'est le cas de le dire, la pêche est incroyable. Les filets sont pleins et les poissons remplissent deux barques pleines. Ce signe va devenir le déclencheur qui va contribuer à ce que Pierre change de vie et devienne un disciple engagé. Avance en eau profonde. C'est de la part de Jésus non seulement une invitation à retourner à la pêche, mais c'est un nouveau départ que Jésus propose à Pierre. Celui de se jeter à l'eau pour une nouvelle tranche de vie, pour un changement radical, pour que son existence prenne une nouvelle dimension, qu'elle ne reste pas en surface, mais qu'elle prenne de la profondeur. Et si Jésus nous adressait à nous aussi cette invitation Les mots avance en eau profonde sont un encouragement à quitter notre zone de confort, un appel à ne pas laisser notre train-train quotidien nous endormir, une interpellation à dépasser ce qui est prévisible. Malgré son scepticisme, Pierre fait acte de foi, et cela suffit pour faire advenir l'imprévisible. Quelle sera notre réponse à l'invitation de Jésus à avancer en eau profonde Répondrons-nous, comme Pierre, sur ta parole, je vais lâcher les filets Il importe de se baser sur la parole de Jésus pour agir. Même quand les circonstances semblent humainement plus que défavorables, il s'agit de faire confiance à Jésus, totalement, pour avancer en eau profonde. Jésus provoque. Par sa parole de sagesse, la confiance qui engendre la réussite. Il crée les conditions de l'atteinte d'un objectif qui paraît pourtant inaccessible. Nous avons souvent des raisonnements humains et même très logiques, comme Pierre, qui constituent des objections à la direction de Dieu. Nous nous cachons parfois derrière des excuses pour justifier notre manque de progrès spirituel. Je n'ai pas le temps, je ne peux pas. J'ai déjà essayé, ça ne marche pas, etc. Jésus pourtant nous invite à prendre le risque de se lancer. Cette parole de Jésus, avance en eau profonde, conduit aussi à une réflexion sur la réussite et l'échec, sur la possibilité de réaliser des rêves. Souvent quand nous voyons de l'extérieur, à la télévision par exemple, des gens qui réussissent à mettre en œuvre leurs rêves, nous avons tendance à vouloir croire que tout a été facile pour eux et que tout sera impossible pour nous. Nous méconnaissons ou sous-estimons les efforts, les découragements, les attaques et les galères qu'ils ont dû traverser pour atteindre leurs objectifs. Et cela se vérifie dans la vie de Pierre. Notre sécurité, nos habitudes nous entravent pour oser nous avancer en eau profonde et prendre le risque de changer notre vie, changer de job. Créer son entreprise, nous changer intérieurement nous-mêmes, améliorer notre vie sentimentale, sortir d'une crise de couple, nous semble parfois hors de notre portée. Certains se réfugient alors dans l'immobilisme. Ils préfèrent se plaindre et envier leurs amis au lieu de bouger. Or, c'est possible de voir grand, de se lancer pour avancer en eau profonde. Il y a un autre fait marquant dans l'histoire de cette pêche miraculeuse. C'est que les disciples laissent leur barque et leurs poissons sur la plage pour suivre Jésus afin de devenir des pêcheurs d'hommes. Cela indique que le but ultime de l'enseignement de Jésus n'est pas d'accumuler des richesses pour en profiter, mais de pouvoir justement nous en détacher afin de suivre le message de l'amour et de le transmettre aux autres. C'est une école de renoncement. Ce détachement n'est pas forcément effectif, il peut demeurer symbolique, intérieur, mais il est néanmoins important. Ainsi, pour chacun de nous, même si Jésus nous permet de réaliser une pêche miraculeuse grâce à ses conseils, il nous enseigne que nous devons conserver une distance intérieure par rapport à cette abondance, afin de ne pas nous enfler d'une pseudo-supériorité. Jésus, fait advenir ce changement dans la vie de Pierre. Mais cela ne suffit pas pour que la vie profonde de Pierre soit totalement changée. Au milieu de son ministère, il va proposer à Pierre de vivre un nouvel épisode relativement similaire. Dans cette occasion où Jésus marche sur l'eau de nuit pour se rapprocher de ses disciples qui traversent le lac dans la barque. Eh bien, Jésus qui marche sur l'eau voit l'étonnement des disciples. Et Pierre, une fois qu'il a reconnu le Christ, en est tellement étonné qu'il dit Si c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau moi aussi. Et qu'est-ce que Jésus lui dit Viens. En d'autres termes, sors du bateau, fais un pas et marche sur l'eau. Et Pierre ose, une deuxième fois dans sa vie, se mettre à l'eau. Et il marche sur l'eau. Jésus montre par là qu'aller à Jésus est une suivance et non une imitation. Parce que Pierre a voulu imiter le Christ, mais au bout de trois pas, il s'est mis à couler. Tandis que Pierre présume de ses forces, de ses initiatives, de ses capacités, il pense qu'il peut marcher sur l'eau comme Jésus, qu'il est donc capable de l'imiter. En fait, il ne peut voir qu'il n'est pas comme lui, et il va au-devant d'un échec. Il suffit d'un coup de vent et il coule. Par contre, quand commence-t-il à véritablement suivre Jésus Quand il lui crie ⁇ Seigneur, sauve-moi ⁇ Autrement dit, la différence entre imiter et suivre ne consiste pas tant dans ce qui est réalisé, mais dans la manière et l'état d'esprit dans lequel nous faisons les choses. Cela implique que nous acceptions de nous mettre humblement à la suite de Jésus, et alors nous pourrons, avec lui et pour lui, faire de grandes œuvres. Jésus va conclure son rapport avec Pierre par un dernier saut dans l'eau. Jésus est mort. Il est ensuite ressuscité. Les disciples sont désemparés. Que faire de la vie Jésus n'est plus là. Ils sont là, sans rien faire, au bord du lac, et Pierre prend une initiative. Il revient en arrière. À son ancien métier, il dit :« Je vais pêcher. » Est-ce un retour complet ou juste une occasion On n'en sait rien. Et l'épisode qui va se passer va faire que il va continuer à aller de l'avant, parce que Jésus va se présenter là. Curieux parallèle Pierre et ses compagnons vont pêcher toute la nuit sans rien prendre, comme lors de la première pêche miraculeuse. Et alors qu'ils viennent au petit matin au bord du rivage. Ils aperçoivent un homme là, et cet homme s'adresse à eux. Hé hey, les enfants, avez-vous pêché quelque chose Le résultat est négatif. Et alors Jésus leur dit, jetez vos filets du côté droit de la barque. Et c'est ce qu'ils font. Peut-être cette fois se disent-ils qu'il y a quelque chose qui ressemble à ce premier épisode qu'ils ont vécu plus de trois ans auparavant En tout cas, le résultat est le même. C'est alors que Jean dit, c'est le Seigneur. Et que fait Pierre Une troisième fois dans sa vie, il se met à l'eau pour courir à la rencontre de Jésus. Il a compris que la vie est parfois compliquée, que la transformation que le Seigneur souhaite pour lui comme pour nous tous prend parfois du temps. Mais Jésus est persévérant. Non seulement il nous dit, une fois, avance en eau profonde. Puis une deuxième fois, viens. Puis une troisième fois, il est prêt à nous tendre encore la main, parce que il souhaite véritablement que nous puissions le suivre en lâchant prise sur tout ce qui nous retient, attaché à notre humanité, alors qu'il nous invite à vivre un plan qui va dans le sens du projet divin. Après cette dernière pêche miraculeuse, Jésus va demander à Pierre d'aller se promener avec lui. Et là, ils vont avoir un dialogue très intéressant, qui va mettre Pierre devant sa réalité. Jésus va poser une question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu Et Pierre de répondre, tu sais bien que je t'aime. Pierre, m'aimes-tu Mais tu sais bien que je t'aime. Pierre, m'aimes-tu et cette fois, Jésus ne pose pas la question avec le mot agapé pour dire ⁇ M'aimes-tu ?⁇ Cet amour agapé qui est un amour total, plein, profond, entier. Mais Jésus abaisse sa demande. M'aimes-tu d'un amour filéo, c'est-à-dire d'un amour peut-être tout aussi vrai, mais moins fort Et Pierre prend conscience qu'il a encore du chemin à faire qu'il est nécessaire pour lui de se plonger à nouveau dans l'eau, pour suivre le Christ, de se détacher une nouvelle fois de ce qui le retient loin du projet de Dieu, pour se laisser transformer par le Seigneur. Jésus s'adresse à nous encore aujourd'hui et nous lance ce défi. Avance en eau profonde, viens, sors de ton bateau, quitte ta zone de confort, que ce soit dans... Nos actes extérieurs, comme dans notre vie intérieure, avec Jésus, les changements et les transformations sont possibles. Elles sont même souhaitées, parce que la vie n'est pas statique, mais dynamique. Voulez-vous oser la dynamique de la foi Pour cela, il faut être prêt à se mettre à l'eau. Mais cela en vaut la peine. Une pêche miraculeuse pourra en être le fruit même si la joie de suivre Jésus sera encore plus exaltante.